Allez, c'est l'heure maintenant de terminer. On va terminer en fanfare, bien évidemment, avec le nec plus ultra de ce qui se fait à Chablis, l'appellation Chablis Grand Cru. Savoir que les Chablis Grand Cru sont soit des vins au style unique. Pour moi, c'est des vins qui sont en général, beaucoup que j'ai goûté, sont des vins magnifiques et qui laissent souvent un souvenir assez mémorable. Des climats de Grand Cru, il y en a 7 en tout. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, chacun d'entre eux a un style différent, un style qui est hyper marqué. Et il faut, si vous voulez être un dégustateur averti, au moins dans une vie, avoir eu la chance de goûter tous ces climats, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si on regarde la carte, on va voir que la localisation des Grands Crus, bah, elle est toute petite, et elle est dans une zone qui est super centrale au niveau de la ville de Chablis, avec une exposition plein sud, donc là on est en plein soleil, sur des super sols vukiméridiens, donc des sols ultra minéraux, où là on peut vraiment laisser s'exprimer la force des climats, et encore une fois avec des styles, en plus de ça, dans chacune des zones spécifiques de ces 7 climats de Grand Cru, des styles qui sont très très différents d'un vin à l'autre. Et là en fait, et ben, le chardonnay en tant que cépage, il va se décliner dans plein de variations et plein de styles différents et vraiment donner bah, toute sa splendeur et toute sa puissance en tant que cépage. Et pour moi, c'est une des zones où vraiment le chardonnay peut s'exprimer de la plus belle des manières. Donc ça vaut vraiment le coup de déguster ces vins. À la dégustation, eh ben, on va se rendre compte que les arômes minéraux bah, dans ces vins sont vraiment intenses et peut-être les plus forts que vous auriez pu goûter. Dans les 4 vins de cette dégustation, avec une palette d'arômes qui, bah, pour le coup, est assez exceptionnelle en règle générale. On part parfois sur des notes beaucoup plus exotiques, dues en fait à plus de maturité parce que les zones sont beaucoup plus ensoleillées. Donc on va retrouver des notes peut-être un petit peu moins sur les fruits acidulés, mais des fruits un peu plus ronds, un peu plus jaunes, voire sur l'exotique dans les millésimes un peu plus chauds. Des notes de fruits secs, des notes de tilleul. Avec le vieillissement, on va plus avoir aussi une note un peu de mousse, de champignons, de sous-bois, qui font que ces vins, en règle générale, ont une complexité folle et que c'est super intéressant de les déguster. En termes de temps de garde, et ben, un peu comme les premiers crus, voire plus, sans problème 10 ans, pour les meilleurs millésimes et les meilleurs vins, 20 ans sans aucun souci. Et je vous promets, si vous avez la patience et que vous êtes capable de les attendre, ces vins vous raviront et vous offriront vraiment une expérience exceptionnelle. Le revers de la médaille, bien évidemment, bah, c'est que c'est dans des petites zones, c'est des vins qui sont bah, en fait pas forcément abordables, qui sont en général beaucoup plus chers, et encore, quoique si on les compare assez souvent avec des zones beaucoup plus prestigieuses en termes de renommée, mais pas forcément plus prestigieuses en termes de qualité de vin au niveau de la Bourgogne, en fait un Grand Cru de Chablis, c'est pas si cher que ça aujourd'hui. Ça vaut le coup d'en avoir quelques-uns en cave. Je vous promets, si vous les ouvrez lors de grands événements ou aussi pour les fêtes, vous ne serez jamais déçus. Écoutez, voilà, on a terminé avec cette session. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si la session vous a plu, ben, un petit commentaire, un petit like sur Instagram, ça fait toujours plaisir, ça fait jamais de mal. Et j'espère vous dire à bientôt pour une nouvelle session. Salut!